Bonjour à tous, c'est Bishtasan, bienvenue pour une nouvelle VOD. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur Senseiya Legend of Justice, donc l'épreuve de Hades. On va faire Ikki Phoenix en armure divine tout simplement. Avant de commencer la petite VOD, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour suivre les prochaines VOD. Et évidemment, mettre le petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours ultra plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous galérez, si même team ne passe pas au cas où, hein, j'essaierai de vous en trouver d'autres. En fonction si les messages de YouTube arrivent assez vite, parce que c'est pas toujours le cas, voilà. Donc nous on va voir à quoi on est passé. De toute façon, si je passe une fois, vous êtes capable de passer avec, hein, même s'il faut relancer 10 fois. En général, je travaille un peu plus histoire d'être sûr que les teams passent, mais là, avec le chamboulement du PC et tout, donc voilà, les teams, ça sera des teams uniques, j'aurai pas retesté. Donc du moment que c'est passé une fois, pour moi c'est bon. Après, n'hésitez pas à demander si vraiment vous galérez, on essaiera de vous trouver des solutions. Alors pas aujourd'hui évidemment, vu que c'est le réveillon, mais ça viendra par la suite. Voilà, sur ce, on est parti directement pour cette petite épreuve. Let's go! L'épreuve d'Hadès, voilà, tout simplement. Donc moi c'est déjà fait évidemment. Donc on va commencer par Pandore, on va commencer par le bas vu que la team c'est la dernière enregistrée, évidemment. Donc moi je suis parti comme ça, donc avec Poséidon derrière au milieu, on a Ikki d'un côté, on a Sagalite de l'autre, et en bas, évidemment, on a le bon Chion et le bon Shiryu armure divine. Donc moi c'est passé comme ça, logiquement ça devrait passer. Sans trop de soucis. Ce fut une bonne boucherie, donc comme d'habitude, vous récupérez votre petit coffre et on passe à l'étape suivante. Ok, donc le suivant, ça va être le père Shaka. Le père Shaka, moi hier je suis passé comme ça. De mémoire, j'ai fait quoi? J'avais Astérion évidemment. Hop. J'avais Astérion, je devais avoir Pandeur. Et comment que j'avais tourné en plus hier? Je me rappelle plus. J'ai dû faire ça un truc comme ça. De toute façon, on va tester. Si ça passe pas, on essayera. J'avoue que je l'ai fait hier soir, mais bon, il y a des trucs, j'ai un petit peu dormi. Non, vendredi soir, j'ai des bêtises, c'est vendredi soir que je l'ai fait. Ok, oui, il y a des trucs, j'ai un petit peu dormi. Donc là, ça n'est pas passé. Ouais, c'est comme ça, on va mettre Aphrodite devant. Voir quand que ça passe avec Aphrodite, si c'est mieux comme ça ou pas. Bon, Radamantis, on voit que son utilité est pas spécialement ouf. Et voilà, c'est passé comme ça, donc voilà, comme ça, ça passe. Donc vous récupérez votre petit puffre, et on passe au suivant. Chacun, c'est le seul avec à peu près, j'ai un petit peu cherché plus que les autres. Donc là, évidemment, Athéna devant. On va se mettre Mu derrière, on va se mettre Canon, et devant on va se mettre le père Sirius. On voit que là ça tient quand même plutôt bien. C'est une bonne boucherie en tout cas, hein. Ça, on voit que ça cartonne. Ok, nice. Bon, il restait 44 secondes. Ouais, parce que c'était le choix entre soit on voit pas le temps, soit on voit un petit peu moins les barres. Je fais bon, on va laisser bien les barres, on verra un peu moins le temps. Donc là, c'est bon, vous récupérez votre coffre. On file sur Shiryu, donc le suivant. Vous voyez, pour l'instant, le seul qu'on a galéré, c'était vraiment le petit Shaka. Et derrière, on va se mettre quoi Et bon, on va se mettre le petit dragon des mers, ça comme ça. On va essayer ça comme ça. Parce que je vais pas vous mentir, je me rappelle plus ce que je suis passé exactement comme team. Alors des fois oui, de toute façon quand tu vois ce que t'as, ça paraît logique à quoi tu poses, puis d'autres traficote un petit peu plus pour trouver la bonne solution. En l'occurrence, ça n'a pas l'air d'avoir trop de soucis là. Il en reste deux en face. Et voilà, lui aussi c'est fait. Donc vous récupérez votre petit coffre des familles. Et on passe au combat suivant qui est Seiya. Alors là, de toute façon, t'as des choix en général qui sont assez récurrents. Donc là, on va se mettre Mu derrière et on va se mettre Popo devant. Et voilà, tout simplement. Il y a de toute façon, les persos, leur placement se pose même pas la question. Ça paraît assez instinctif, en fait, de les positionner comme ça. Alors lui, je pense que c'est celui-là qui a pris la plus grosse fessée, voilà.
Hop, donc vous récupérez votre petit coffre, hein, comme d'hab. Et c'est fait, et on passe au dernier, évidemment, Athéna, déesse de la guerre. Donc là, j'étais passé comme ça, je devais avoir hop, lui devant, lui derrière. Et je pense Sagalite, enfin Sagaivol plutôt. Je pense. Ce Thanatos, de toute façon, faut le mettre devant, hein. Ah ouais, il m'a... Ok, d'accord, hein, celle-là est pas mal, c'est lui qui m'a pété. Je m'attendais vraiment pas à ça. Sinon, je peux tester quoi. On va virer lui, on va mettre Solento. Donc on va virer Hypnos. On va mettre Solento de la sirène, voir si c'est un peu mieux comme ça. De toute façon, Hypnos, c'est normal, faut qu'il claque. Le Thanatos, c'est normal, faut qu'il claque, je voulais dire, plutôt. Ça marchera mieux. Et là, Iki, il a fumé les deux. Donc voilà, ça passe comme ça. Après, vous voyez, si ça galère un petit peu, cherchez un petit peu à modifier un personnage, pourquoi pas. Vous récupérez, puis après, il vous reste plus qu'à aller chercher votre petit coffre, et le tour est joué. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je suis désolé de ne pas avoir vérifié les teams. D'habitude, c'est fait, mais bon, là, il y a eu un gros souci avec mon PC. Donc je vais déjà sortir une journée à la bourre, cette vidéo, donc voilà. N'hésitez pas, si vous galérez, à venir me demander, soit via le Discord, soit via la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon réveillon de Noël, des bougeous, je vous dis à très bientôt, salam alaikum, ciao ciao!